Il est capable de choisir ses micro. Il est capable de choisir ses manifestations pour le faire. Il est capable de choisir ses tracts pour le voyer. Il est capable de choisir vers sitting. Tout moyen légal que la loi tracé. La loi va nous droit. Constitution pays va nous pouvoir. Pour chaque fois, doit nous menacer pour nous manifester. En violation de la Constitution de 1987. Conseil ça dans notre pays, ils ont demandé, ils ont pris une décision pour nous dire, ils ont interdit pour nous manifester. Où est-ce que ça a sorti? Pas gagné aucun décret, pas gagné aucune loi, pas gagné rien encore qui est au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère de la République. Darigoni avec Ekibli, CPTO, je choisis, je dis, je interdis les gens de manifester. Son droit constitutionnel à nous, n'a pas exercé le droit. Et Darigoni, où elle tombait, et des fêtes lui tombait, je dis, hein, la créé façon pour le courir. Même si le pape est en courir, je dis là déjà en plusieurs fois dans le micro nous, la justice tarde, mais elle arrive. Gariboni, la justice tarde, mais elle arrive. Je veux dire, c'est où qu'a dominé la justice là. On peut nous manifester. On peut nous exprimer besoin nous. On peut nous dénoncer. Ça nous veut dénoncer. Eh bien, au nom de la Constitution. Lorsqu'on tombe là, on a mis en bas au nom de la Constitution, lorsqu'on est tombé, nous allons garantir. Dans ce sens, nous ne pouvons pas camper le fait que le ministre de la Justice a dépassé l'ordre pour nous sortir. Et ma bat bravo pour les citoyens qui ont pris courage à demain sortir. Je te dis à arrêter. Que les gens ont fait le gaz sur eux. Nous avons plusieurs journalistes qui sont victimes de tout. Dans la défense, dans l'exercice professionnel. Mais malgré ça, les journalistes m'ont battu bravo pour nous. Nous prenons le gaz ensemble. Il y a le gaz sous nous. Nous campons avec eux. Nous prenons le gaz. Et nous, ouais, c'était des simples citoyens qui ont manifesté de manière pacifique. C'était une manifestation pacifique. Malheureusement, nous, ouais, nous sommes pensés, nous avons le pouvoir avec la force. Mm-hmm. François Duvalier, tu as gagné l'armée à toute ma coûte. Il n'y a pas le pouvoir par la force. François Duvalier, maintenant, l'obéissance de ça. Il n'y a pas le pouvoir par la force. En 2004, Aristide, tu as gagné Chumel, tu as gagné la police, tu as gagné tout le monde avec elle. Il n'y a pas le pouvoir par la force parce que. Nous tous connaissons la volonté du peuple. C'est la voix de Dieu. Abdino. Bataille a continué. Dans l'objectif pour nous conscientiser plus. Dans l'objectif pour nous faire population en connaître. Pour qui ça n'a bataille là. Et contre qui ça n'a bataille là. Parce que nous avons l'impression. Il y a un pile dans yo qui peut comprendre. Dans ce sens, jusqu'à 1er novembre 2023, nous avons organisé une journée spéciale de réflexion sur la crise haïtienne. Nous avons gagné différents secteurs dans la vie nationale qui sont présents dans l'activité. Côté que nous en concertation, après complot qu'on s'est offert pour empêcher le peuple à manifester, après complot qu'on s'est offert pour empêcher nous réclamer droit nous, après complot qu'on s'est fait pour haïtiens abandonner le pays définitivement, faire un cadeau pour nous battre, eh bien, nous allons redéfinir le combat. Tout le monde a invité. Et nous avons invité le secteur vaudou, le secteur presse là,
groupe organisé, il y a des élèves qui ont besoin de nous. Parti politique qui va avec nous, il y a élèves qui va joindre nous. Tous les secteurs vitaux de la vie nationale seront invités. Nous allons faire une réflexion. Nous allons présenter avec la presse une nouvelle stratégie de combat nous. Parce que le peuple qui mobilise, le peuple qui compte salver, pas qu'il doit être là. Mais entre-temps, je dis pour Gary Boy, qui prend poste du Premier ministre. Moi, je dis prend poste du Premier ministre. Parce que il y a une fonction, il y a une mission pour gagner pour moi. L'on n'a pas de capacité pour remplir la mission que vous avez, la mission que vous avez, la mission que vous confiez là, il y a une grande obligation de nous. Je dis, ni Gary Boy, ni M. Dame CPT, spectacle de la honte ça qui a pour fri pays ya, nous-mêmes nous pas accepter ça l'aide pour nèg yo descendre pays à côté yo. Si monsieur dame CPT yo te gen caractère, si yo te chef, si yo te gen autorité, yo t'a révoqué Gary Boy parce que monsieur pas monsieur sont arrogants, monsieur sont permettre. Nous sommes apprentis dictateurs. Nous sommes apprentis dictateurs qui pensaient, après toute bataille que le peuple a fait, pour nous accoucher la constitution 1987, là, qui a chiré, jeté dans la poubelle. Je dis, au péril de notre vie, constitution en main, opposition plurielle, là, nous avons campé pour nous défendre la constitution. Qui va nous droit pour nous manifester, pour nous nous droit pour nous réclamer ça nous voulons, qui va nous droit tout pour nous dire, lâchez-moi, yo, yo, battez à blanche, parce que vous n'avez pas réglé rien. Je vais m'adresser ma fille, pour m'adresser ma carrière. Qui bon journée de réflexion ça en fait? La fête n'a rien de vous dire. Ma fille, pour m'adresser ma carrière. Ma dit pour carrière comme je dis. Haïti, suivant la constitution, nous. Son pays indépendant, son pays souverain, m'a reprend. Son pays indépendant, son pays souverain. Yo impose nous yon vieux accord, que yon le accord 3 avril, nan place constitution. Je dis, nous constatons. Côté que pays fini. Côté que jodi nous gagnons un CPT qui pas régler rien que division seulement. Côté que nous avons un premier ministre qui pas utile pays rien et jodi c'est division entre gouvernement et conseil présidentiel. Peuple a mouru. Côté peuple là, pas de sécurité. Bandi a mis le peuple là dehors, tout côté. Et gouvernement n'a pas dit rien. Peuple haïtien en difficulté en République dominicaine. Gouvernement soit pas dit rien. Et pas prendre quelle disposition même pour accompagner les gens qui ont déporté, qui ont rentré dans le pays. Je dis, gouvernement ça a parlé de sécurité. Et jusqu'à présent, pas rien qui fait pour permettre vraiment à la population de jouer une sécurité. Je dis alors, on a considéré quel CPT, quel gouvernement, pas rien qui a réglé rien. Et c'est peut-être ça. Nous demandons avec CPT et gouvernement pour payer pays à blanche, pour que l'autre monde qui a dirigé le pays. Pour prendre disposition pour permettre à la population capable de vivre dans le monde. Nous demandons avec Gary Kony quitter le pays. Et nous pensons que si vous êtes un monde qui a réfléchi, il faut voir qu'on n'a pas qu'à faire rien, il faut prendre conscience et pour ne pas qu'à prendre rien. Avant même que la population, encore les populations a monté pour aller chercher nous côté nous. Il t'a mieux qu'on prenne décision ou démissionner. Quel CPT, quel Gary Kony. Et nous avons demandé avec toute population, quel que soit côté, nous y dans quatre coins pays, aller recamper, rejoindre l'opposition plurielle.
pour nous capable de faire un seul et pour nous dire non, pour nous mettre conseil ça en dehors et pour le peuple lui-même capable d'aller en souffle, pour le peuple qui a joué une sécurité et pour permettre à ce que si nous sommes capables d'aller à l'école, les gens qui quittent Caillou capable de retourner à Caillou. Je me demande tout le monde en général, quel que soit, qu'on vient dans le pays, lever campé et rejoindre l'opposition plurielle là, pour permettre à ce que nous retirer le ça là, pour que le pays capable d'aller en souffle. Merci. Le dire savent que le pays est en danger. Merci beaucoup. De toute façon, une salutation spéciale et à la presse, parler, écrite, télévisée et en ligne. Je ne vais pas parler de plaisir sur ma tête, mais plutôt d'une gamme de tristesse qui nous ronge tous lorsqu'on comprend que notre cher Haïti, la terre de la liberté, se trouve dans cette situation où est-ce qu'il est justement en train de connaître des moments de piétinement par ces mêmes filles et fils. Mais c'est plutôt également des causés qui s'arrangent comme complices avec la communauté internationale pour détruire le peuple haïtien. On est en tête. On le voit maintenant, notre cher Haïti est en danger, comme vous venez de le dire. Mais pour l'instant, je vais m'adresser directement à tout le peuple haïtien, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Votre pays est en danger. Haïti, dans le temps qui a été connu comme étant la terre de la liberté, veut perdre son sens par rapport à la façon dont on savait mener les batailles. Mais heureusement, aujourd'hui, nous qui sommes sur cette table, on se regroupe au cœur d'une opposition qui est composée par différentes entités politiques. C'est pour la première fois que cela arrive dans notre histoire, d'opposition dans le pays. Cela veut dire que nous ne sommes pas une opposition qui mène une bataille d'autres trois que je m'y mette. Mais plutôt, il n'y a que le pays qui nous intéresse. C'est le bien-être de notre pays qui est sur la table maintenant. Parce que nous nous retournons tous autour de ce cercle qui est Haïti, notre patrie commune. On le voit, il y a ce serpent à sept têtes, deux cornes et une queue qui nous plonge davantage dans l'abîme. Et ceux-ci, ils sont tout simplement l'objet de la corruption sur toute la ligne. L'objet d'arrogance également. Parce que lorsqu'on voit trois membres de soi-disant conseil présidentiel qui sont indexés d'une affaire de corruption au niveau de la BNC, après tout ce qu'ils ont fini de faire pour rançonner des personnes, leur faisant croire qu'ils vont leur légitimer au niveau de la primature, ce qui n'a pas été fait, et jusqu'à ce que ce soit un représentant même du département d'État qui est pour l'instant arrivé à la primature. Et qui a fait des annonces néfastes, des annonces pour la galerie, lorsqu'il a dit lors de sa prestation de serment qu'on va prendre les territoires, on va libérer le pays, maison par maison, zone par zone, quartier par quartier, département par département. On n'a pas trop bien compris dans le temps, mais maintenant nous, qui sommes de l'opposition, y compris la grande population, nous comprenons tout carrément qu'il a voulu lancer un message pour les bonnes armées, leur disant qu'ils doivent conquérir Haïti tout entier, maison par maison, quartier par quartier, zone par zone. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Parce que lorsqu'ils étaient venus, il n'y avait pas cette histoire de Gauthier. Il n'y avait pas cette crise entre Solino et les autres zones environnantes. Et maintenant, c'est ce qu'on voit. Il n'y avait pas cette crise à Tabarok. Eh bien, voilà, nous sommes dans une situation pareille. Au bas de l'Artibonite, notamment à Pont-Sondé, où est-ce que les jours passés, on venait d'exterminer une grande partie de la population, soit environ une centaine. Et nous, nous crions haut et fort, cela ne peut pas continuer pareil. Et nous allons nous mettre tous qui nous est possible pour l'instant, tout ce que nous avons comme outil de bataille, nous allons les utiliser
pour libérer le pays. Parce que, quelque compliqué que soit la situation, il faut que le pays se réveille de son sommeil de mort. Il faut que toute la population trouve l'opportunité de vaquer dans ses activités, comme cela avait l'habitude de se faire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à la classe paysanne, une classe qui souffre de toute forme de déboire, parce que depuis le déroulement même de cette crise, où est-ce que des bandits font irruption dans plusieurs zones, ce sont les paysans qui paient les prix. Nous allons surtout nous adresser à la classe étudiantine qui, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune structure au niveau de l'université d'État qui est opérationnelle. Sinon que les étudiants qui essayent maintenant d'être présents dans leur salle, mais souvent sans la présence des professeurs. Et ça nous tue davantage parce que c'est une quête même contre le savoir dans le pays. Et nous le comprenons très très bien. Nous comprenons également quelle est la participation de la communauté internationale quand à chaque fois que les bandits font des interventions dans une zone. Et nous l'entendons tous, et je vais le répéter, ils disent tout carrément, nous allons le faire comme le blanc le demande. Et là, on comprend très très bien où est-ce que nous sommes. Et je vais terminer pour dire, et aux hommes qui s'accaparent du pouvoir pour l'instant, on comprend très très bien ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça c'est de la foutaise, quand lorsqu'on entend un soi-disant ministre de la justice et de la sécurité publique, qui... pour l'instant, se trouve dans l'obligation de procéder à la publication des notes et faisant croire qu'on est en train de comploter contre le Premier ministre. Quelle horreur! Un ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Et le pire de tout ça, il parle de son service d'intelligence. Votre service d'intelligence vous donne des messages à ce niveau, des informations utiles. C'est pas opposition que tu veux des hommes, non, mais. C'est pas opposition qui va yon Dieu bien fait. Nous disons, gardez tête yon, gardez moun kap kouri yon. M'a dit yon, Haïti, sous époque esclavagiste, t'es dans une situation pareille. Santonak, t'es distribué 30 000 fusils par esclavio. Et c'est avec, nous t'es fait la main indigène, et qui permet yon dire, yon gen bout de ça. Si, je dis à nos pays ailleurs là, yo pourquoi qu'à comprendre. C'est maman yo, c'est papa yo, c'est frère yo, c'est sœur yo. Yo mette en difficulté. Si yo pas retourner zanne, bouzanne, bay moun ki te bayol là. La trota pour yo les avin prendre conscience. Je dis à nous mandé tout haïtien de manière générale qui ou dans état pays ailleurs, opposition mandé yo pour nous faire un seul coup d'à coude pour nous retirer Haïti. Merci, nous gagnons un député libéral.